producteur de génie, roi du dub, ouf ou furieux, Lee Perry est le Dali du reggae. Trax rencontre une légende bien vivante. Écoute, je me fabriquais des guitares en bambou quand j'étais gamin. J'avais appris à construire des guitares en bambou avec des cordes. Et j'en jouais. Music papa. Where's mama? J'ai pas mis les pieds dans un studio avant 26 ans. Ma vie n'était pas dans les studios, j'étais de la campagne. Et je voulais écrire des chansons sur les choses que je voyais autour de moi. Alors, j'ai débarqué à Kingston et j'étais voir le producteur Duke Reed. Mais il n'était pas prêt pour mon genre de truc. Il croyait que c'était une blague. Il y a des blagues qui durent. À 64 ans, Lee Perry a bien mérité le surnom de Scratch que lui avait donné Sir Coxon, le patron du mythique Studio One, il y a près de 40 ans. Sans pleurs avant la lettre, il fut le premier à glisser dans ses morceaux des bébés en pleurs ou des mugissements de vaches. En 68, alors que son premier tube People Funny Boy cartonne en Angleterre, Perry fonde son propre groupe et y gagne un nouveau sobriquet, The Upsetter, l'emmerdeur. En 69, Bob Marley revient des États-Unis où il a travaillé à la chaîne chez Chrysler. Lee Perry va produire les albums de son groupe, les Wailers. J'adorais sa voix. Je me disais qu'un truc bien pouvait sortir de lui. Mais quand les gens ont un tel don, on ne peut pas les contrôler. Il n'y avait plus de Peter Tosh ou de Bunny Livingstone, rien de tout ça. Son groupe était déjà capoute. Il ne voulait plus de Peter ni de Bunny. Et moi, je lui ai dit de les reprendre pour que les choses aillent plus vite. Il travaillera avec Marley jusqu'à sa mort. Entre-temps, il part pour d'autres aventures musicales. En 73, il invente le dub avec un jeune opérateur de sound system, King Tubby. Les gens comme King Tubby écoutaient la musique que je faisais. À l'époque, je m'étais équipé pour produire des disques en stéréo. Et ils entendaient toutes ces choses et ils se doutaient qu'un truc important était en train de couver là. Alors ils se sont approchés de moi pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et ils se sont rendus compte que j'enregistrais seulement deux instruments le premier jour et le reste de la musique le lendemain. En écoutant le travail de ce premier jour, ils se sont dit que c'était un morceau parfait, il n'y avait rien à ajouter. Alors ils l'ont fait passer du studio au dance floor et ça a fait un carton. C'était la folie. En 1974, Lee Scratch Perry crée The Black Ark. C'est le studio le plus cher de Jamaïque à l'époque. Il y enregistre ses propres compositions et produit des tubes à la chaîne. Des morceaux dans lesquels se glissent, selon la légende, les enregistrements, des battements du cœur de ses palmiers. Après 33 ans passés en Jamaïque, je n'ai plus une seule bande originale. Si je m'étais pas enfui avec mon super singe, je ne serais même plus de ce monde. Il y a trop de stress dans le reggae. La violence du ghetto rattrape Perry. En 80, dans un accès de démence et de parano, il met le feu à son studio et détruit toutes ses bandes. Il fuit la Jamaïque et se réfugie en Suisse. La légende se poursuit. Personne ne m'a jamais vu jouer d'un instrument, mais tout le monde croit que je le fais. Après un enregistrement, vous pouvez toujours appeler les musiciens et leur demander s'ils se rappellent qui jouait vraiment. Une fois rentrés à la maison, quand ils écoutent ce que j'ai produit, ils entendent un son totalement différent de ce qu'ils ont joué en studio. Et pourquoi ça? Parce que je suis l'ange qui a joué derrière leur dos. En
Kekoman.